L'alphabétisation est très, très, très importante pour vous. Si tu ne sais pas lire, tu ne peux rien faire aussi. Toutefois, je vous dis ici que quelqu'un qui ne sait pas lire, c'est comme si elle n'existe pas. Donc, ce qui est bien pour vous, vous êtes venu ici, c'est pour apprendre à lire et à écrire. Et après, c'est pour vous envoyer quelque part, pour au moins apprendre quelque chose pour votre avenir. Le centre accueille les jeunes filles de 13 à 17 ans, surtout celles qui ont des problèmes en famille, celles qui n'ont pas été à l'école ou celles qui ont laissé l'école à mi-chemin. Et les parents les amènent ici auprès de nous pour voir si on peut les aider et les orienter. Le rôle final du centre, c'est d'aider ces filles de manière que demain, elles soient autonomes, qu'elles aussi, elles trouvent une place dans la société et vivre leur vie dans la dignité. Le centre a un très grand lien avec les sœurs, comme un centre de formation professionnelle. Et c'est avec la crise que nous avons transformé ce centre de formation professionnelle en un centre d'orientation pour ces filles. Donc, automatiquement, les sœurs sont appelées à ne pas laisser le centre, mais être mère auprès de ces filles. On doit essayer de les écouter avec tendresse, malgré le problème que la fille peut vivre. Nous sommes là pour les accompagner, pour qu'elles soient demain autonomes. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va? Ça va. Ok. Voilà, Binta, c'est comment à la maison? Ça va. Ça va? Oui. Ok. Tu fais les activités correctement ou bien maman doit te parler d'abord avant que tu fasses? Tu es une grande fille maintenant, hein? Oui. Tu mets les conseils du centre en pratique? Oui. D'accord. Ok. C'est vrai. La maman dit que c'est vrai. Ah, c'est tiens, c'est vrai. Aïe, barami, c'est un peu. Depuis que Binta a intégré le centre, vraiment, elle a une nouvelle activité, elle se repose. Puisque quand la petite se lève le matin, elle balaie, elle cherche de l'eau, elle fait sa vaisselle, elle se lave et elle va au centre. Et même le soir, quand elle rentre à 16h et quand elle la trouve à la cuisine en train de préparer, elle lui dit, maman, mets-toi à l'écart, moi je vais continuer. Et puis c'est elle qui prépare, c'est elle qui fait sa vaisselle, c'est elle qui ensuite va se laver tranquillement. Vraiment, la fille a beaucoup grandi et la fille a évolué. Donc Binta, je crois que ce que la maman dit, si c'est vrai, tu dois continuer. Hein? C'est pour ton bien. La maman est déjà âgée, toi-même tu vois, non? Ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est ça que tu vas essayer aussi d'aider la maman aussi demain. Donc tiens bon au travail que tu es en train de faire. Il ne faut pas te laisser faire avec les camaraderies. Hein? Fais bien, s'il te plaît. Si tu fais bien, nous, nous sommes derrière toi. Le centre est derrière toi, on va t'appuyer. On va t'aider. Maman, je vois que en vous entendant parler, c'est comme si vous êtes découragée. Mais ne vous découragez pas. Hein? Ne vous découragez pas. La réalité qu'on vit aujourd'hui est différente. S'il y a un problème la concernant, vous nous dites. Et ce qu'on peut, on va le faire. La famille ne fait que vivre au jour le jour. Et quand elle est venue poser le problème, poser le cas de la jeune fille, on a vu tout de suite que c'est une fille qui avait vraiment besoin d'aide. Et là, nous sommes venus mener l'enquête et on a dit à la maman que nous allons prendre la fille, nous allons l'inscrire au centre, nous allons l'amener à pouvoir continuer à apprendre, puisqu'elle avait soif d'apprendre, mais les moyens de la famille faisaient défaut. Elle a intégré le centre. Heureusement, c'est une fille très polie, travailleuse, qui sait ce qu'elle veut. Mais la situation de la famille fait que parfois, elle est très triste. Nous voyons en elle quand même quelqu'un qui est en train d'évoluer depuis son intégration au centre. L'objectif de ce genre de visite, c'est de pouvoir aider la jeune fille à bien se sentir, que ce soit au centre, que ce soit dans sa famille. Dès qu'elle a tissé une relation de confiance avec nous, automatiquement, elle se confie. Et quand elle se confie, et quand nous venons à la maison, il n'y a pas de sujet tabou, on discute franchement avec les parents. Dans les visites à domicile, ce sont vraiment des discussions, des causeries pour amener le parent à prendre conscience de son devoir envers l'enfant et l'enfant aussi de son devoir envers les parents.
Pour les filles que nous recevons, au départ, ce n'est pas facile. Parce que ce sont des filles qui n'ont jamais connu parfois l'amour. Lorsque nous les prenons, la première des choses que nous faisons, nous essayons de leur donner un peu d'amour, un peu d'affection pour pouvoir, pour leur montrer que la vie ne se limite pas seulement aux situations difficiles qu'elles vivent. La vie, c'est la joie, la vie, c'est l'amour du prochain. Et à partir de ce moment-là, lorsque elles adhèrent à notre culture, alors petit à petit, la joie revient en elles, la joie de savoir que demain, elles auront une situation beaucoup plus améliorée. Elles mettent de côté cette tristesse du passé et elles embrassent maintenant cette vie future que le centre leur offre. Safi est là depuis, ça fait un an maintenant qu'elle est là, mais elle apprend très vite, très très vite. Quand elle venait, elle ne savait même pas faire des nattes, même pas. Mais au bout d'un an seulement, elle s'est fait le brushing, elle s'est nattée, elle s'est fait la pédicure, manucure et le shampoing très bien, c'est parfait. En tout cas, mon élève est bien. Non, c'est mon rêve d'être coiffeuse. Et depuis tout petit, il apprenait à dresser, c'était des poupées. Même à la maison, il apprenait un peu, c'était de ma soeur à dresser. Mon rêve, c'est d'être une grande coiffeuse, d'avoir mon propre salon. C'est mon rêve là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma tante. Bonjour, madame. Safi, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. La tante, notre fille, ça va, hein? Très bien. On la trouve à l'œuvre, tout ça. Oui, elle apprend bien, elle apprend très vite. En plus, elle est courageuse. En tout cas, c'est bien joli. On la sent bien concentrée sur son sujet. C'est bien, on est content pour elle. Donc, beaucoup de courage à toi, hein? Merci. On compte sur toi. Voilà. Elle a la volonté, donc ça ne peut qu'aller vite. Voilà, là, c'est bien. Voilà, c'est déjà une marque de confiance. Lui confier une cliente, ça, c'est déjà bien. Voilà. Ce que nous venons de faire, c'est le suivi. Voilà, le suivi des filles en atelier. Nous passons pour avoir les nouvelles, pour voir comment les choses se passent avec la fille. Est-ce qu'elle vient en atelier tous les jours? Est-ce qu'elle est motivée? Est-ce que la fille aime vraiment l'activité qu'elle a choisie? Et puis, est-ce qu'elle a les capacités aussi de le faire? Et quand tout se passe bien, elle nous le fait savoir parce que nous ne sommes pas en atelier avec les filles, c'est avec les patronnes, c'est elles qui nous donnent ces informations. Bon, bonne journée à vous. Avant d'arriver au centre, j'étais à la maison, je ne faisais rien. Donc, il y avait une camarade qui avait, sa mère avait besoin d'une servante pour travailler à la maison. Je travaillais là-bas. Le centre m'a permis de ne pas travailler dans la maison des gens. Pour être servante, là, ce n'est pas facile. Le centre m'a permis de changer. De changer beaucoup de comportements, d'être heureuse. Kaka, bonjour, bonjour, mes tantes. Et avec tes filles, comment ça va? Oh, ça va, ça va. Avec sa fille, Béa. Nous, on n'a pas de problème. Et à la maison, ici, elle participe aux activités. Oui, oui, oui. Quand c'est les jours de repos, elles viennent faire le ménage. Elles préparent, elles font tout. Elles savent préparer, elles savent tout faire. Il n'y a pas de problème. Tu sais, ce sont des filles. Ce sont des filles, elles sont en train de grandir. Et vraiment, à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Donc, comme je n'ai pas eu les moyens de les mettre à l'école, bon, depuis toute petite, je payais des poupées pour elles. Donc, elles apprenaient à tracer sur la tête des poupées. Elles ont vite appris. Elles savent lire maintenant. Elles savent écrire maintenant. Bon, je veux qu'elles apprennent encore plus encore. Qu'elles ne s'arrêtent pas là, qu'elles continuent, elles avancent.
Notre souhait, à nous, sœurs de la Providence, c'est de voir ces filles s'installer demain, être elles-mêmes patronnes, qu'elles s'installent avec tous les matériels possibles pour pouvoir s'autosuffire. Les voir toujours contentes, épanouies, malgré le monde, qu'elles soient des personnes aptes à répondre aux besoins de leurs frères et sœurs qui peuvent demain taper à leur porte. Avant d'arriver au centre, la Providence, j'étais élève, je partais à l'école. J'étais en classe de CE1. Lorsque la crise post-électorale 2002 a commencé ici, à Boaké. Et nous sommes partis au village. Un an après, nous sommes revenus. La situation était un peu calme, mais ce n'était pas trop bon. Je ne pouvais plus aller à l'école. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens d'abord. On était beaucoup même à la maison. Et donc, on traînait un peu dans les rues. Dans la rue, tout souvent, je partais aider maman au marché ou de quoi. Je faisais ce que je... Au centre, il y avait les tontons et tantes qui étaient là pour moi. Et c'était déjà une famille. Ils m'ont appris à lire, à écrire. Ils m'ont donné de l'amour parce que je me souviens, lorsqu'on jouait les temps passe avec les tontons et tantes, souvent, on s'amusait de quoi ensemble. Ils nous ont donné des conseils quand il fallait. Ils ont réussi à me cadrer. À m'emmener à être moi aujourd'hui. Ici, c'est la famille. Ici, c'est comme ça. On vit en famille. On essaie de ramener le système familial au centre. C'est la raison pour laquelle ici, on ne s'appelle pas déjà monsieur, on ne s'appelle pas madame, mais c'est tanti, tonton, pour créer ce lien familial. Une fois que le lien familial est créé, on essaie de les habituer aux différentes activités. Parce que demain, pour avoir un avenir meilleur, il faut arriver à travailler. Travailler, ce n'est pas quelqu'un qui viendra le faire à ta place, mais c'est toi-même. Donc c'est maintenant qu'il faut apprendre. À partir des activités que nous avons mises sur pied, on les amène à cultiver l'amour du travail. L'amour du travail, surtout bien fait. Là-bas, j'ai appris la persévérance. Le travail, le courage, la vie en famille, plein de choses que je ne pourrais tout expliquer. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai appris au centre me suit jusque-là. Ils nous aidaient et ils nous formaient en même temps. Donc vraiment, mon passage au centre, c'était waouh. Au centre, ce que j'ai préféré, c'est qu'ils donnent des bons conseils. Et puis, il y a plein de filles que tu peux faire des amis avec eux. Grâce au centre, il y a beaucoup évolué. Pays là-bas, on apprend à lire et écrire. Et aussi, ils nous apprennent à préparer, quoi, à faire la cuisine. Ils causent nous, en tout cas, ils nous disent tout. Ils nous disent ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Ils nous donnent des conseils. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Dans mes projets, je vais faire du prêt-à-porter, acheter d'autres machines qui vont me permettre d'agrandir mon coin, employer d'autres personnes pour les sortir de la galère. Et donc, j'aime créer mes propres modèles à moi. Et je veux les vendre, je vais essayer, je vais faire mes prêt-à-porter à moi-même. Je sais que je vais y arriver avec un peu de courage. Ça ira parce que je suis partie de rien. Absolument rien. Même pendant la formation, c'était dur. Mais si je suis là aujourd'hui, ce qui veut dire que rien n'est impossible pour moi. Rien n'est impossible, je peux atteindre là où je vise. Ça, c'est clair. Et avec un peu de courage, je suis sûre que ça va y arriver. Et je vais y arriver. Bon, mes rêves, si j'ai mon salon, que j'ai l'argent là, je vais acheter une maison pour ma maman. Mes rêves, c'est d'être coiffeuse, une grande coiffeuse, et d'avoir au moins 3 salons pour moi. Et d'être une. En tout cas, être forte, quoi. Et puis tout le monde va venir chez moi.